la coalition Benno Bokk-Yaakaar. Chère jeunesse de Kédougou, chères femmes de Kédougou, je vous remercie encore parce que vous avez montré que Kédougou, c'est Benno Bokk-Yaakaar. Je remercie tous les responsables ici présents. Je vous dis merci parce que votre mobilisation a été belle. Je dis la jeunesse dynamique de Kédougou. Merci beaucoup. La mobilisation a été belle. Ce qui reste maintenant, c'est de faire les formalités le dimanche pour que Benno Bokk-Yaakaar sorte avec un score de 78%. Parce que Benno Bokk-Yaakaar représente plus de 78% à Kédougou. Mais il faut que nous allons voter. Parce que si nous avons une carte, vous nous votez. Si on a notre carte et on ne vote pas, ça diminue notre pourcentage. Donc il faut faire un vote massif pour la coalition Benno Bokk-Yaakaar. Et pour prouver au président que Kédougou aussi est un titre français du président Macky Sall. Pour prouver au président que Kédougou a dit oui à ses projets. Pour prouver au président que nous le soutenons. Aujourd'hui, je dis, toute la ville a vu. Il y a même certaines personnes dans les quartiers qui nous appelaient pour dire qu'ils n'ont pas reçu de véhicule pour participer. Mais on ne voulait pas bloquer la ville. Si ce n'était pas ça, si tout le monde était sorti, il n'y aurait plus de circulation à Kédougou. Parce que ce cortège, je pense que c'est du jamais vu à Kédougou. Mais vous êtes déterminés. Maintenant, il faut surveiller vos quartiers et sécuriser vos votes. Jusqu'au dimanche à 18h pour qu'on puisse faire une autre caravane de Villa Victoire. Dimanche à 20h, Inch'Allah, nous allons faire une caravane pour la victoire.